30 novembre 2023, voilà, ben ils sont en train de changer les poteaux. On aura peut-être droit à la fibre bientôt, depuis le temps que je l'attends. C'est génial, je serais bien contente. Donc là, ils nous ont enlevé un poteau en bois et ils mettent un poteau en ferraille et qui a couleur bois, en fait. Donc ils ont attaché nos fils comme ça avec la nacelle pour les suspendre. Nous, il pleut aujourd'hui. Hein. Il pleut, il fait froid. Et ils travaillent dehors, les mecs. Sous la pluie. Il en faut des courageux pour tenir ce monde. Hein. Vous voyez le fil qui vient chez nous, là, il pend carrément. Dans notre poteau qui nous a enlevé, c'est celui qui est au milieu, là, le plus court, au milieu du camion. Donc il remplace par un long, comme ça. Un petit moment qu'ils y sont, hein, déjà. Ah, ils sont plus hauts. Hein. Et mon fils est allé leur demander, et oui, c'est en prévision de la fibre. Hein. Ils vont nous changer tous les poteaux de toute la rue. Donc il y a du boulot. Hein. Ils sont en train de taper autour. Ils ont agrandi le trou, vu qu'il est forcément plus gros à la base, celui-là. Donc, ça leur a... Donc ils ont mis un moment. Hein. Et là, ils sont en train de reboucher, de tasser. Boulot physique, hein, quand même. Hein. Il va remonter dans la nacelle pour le rebrancher après. Vous voyez, il tape fort le mec. Hein. Il faut faire ça jusqu'à 64 ans, lol. Pauvre homme. On n'a pas eu de coupure internet. Hein. Voilà, je m'attendais à ce que ça coupe du coup. Et non, le fait qu'ils soutiennent comme ça avec la nacelle, et ben, en fait, on n'a pas eu de coupure. Tout va bien. On va voir quand ils vont le rebrancher. Thank you.
Il y a la musique de ma fille qui bosse en bas, à notre entrepôt, là en dessous, pour son entreprise. Donc il y a du perçage, du ponçage, du découpage. Elle, elle travaille beaucoup le bois. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'elle fait dans son entreprise. On ne s'ennuie jamais à la maison. Hein. C'est ce que je vous disais une fois, nous, notre temps, il est bien pris. Et Noé n'ont pas avancé parce qu'on a eu un temps pourri, on a repris le boulot, donc voilà, avec notre planning, ça n'allait plus. Donc lui, il a reculé, hein, celui des poteaux, puis là, c'est l'autre, il va remonter à la nacelle. Total aujourd'hui, ignoble, ignoble, ignoble. Je crois qu'en vieillissant, je finis par détester l'hiver. Je déteste avoir 40 degrés aussi, hein, mais je crois que le froid, c'est pire. Voilà, on a un gros poteau tout neuf. Il paraît être du bois, hein, qui est repeint par-dessus comme si c'était du bois, mais c'en est pas en fait. C'est juste une illusion pour paraître écolo. Lol. Parce que normalement, en campagne, avant, c'était toujours des poteaux en bois, hein, qui étaient préconisés. Hein. Mais là, c'est du semblant. Vous voyez les autres qui restent, il en reste à poser, hein. Je pense qu'ils vont nous en poser ben, tout le long là, il y a du boulot. Hein. Là, il va redescendre la nacelle pour remonter dedans, pour tout rebrancher au bout du poteau. Au début, mon fils allait leur demander, ils ont dit qu'ils en avaient 40, pour 40 minutes, mais non, là, c'est dépassé. Hein. C'est du boulot quand même, hein, ça se fait pas tout seul. Un peu long peut-être, il s'organise. Je vais arrêter la vidéo et je la reprendrai quand ils seront en train de fixer. Voilà, ils sont ressortis. Enfin, il est ressorti, le deuxième.
préparer, ouais, pour fermer, pour raccrocher. Je recoupe et j'attends qu'ils se remontent sur la nacelle. Là, ils sont en train de remettre un cerclage et ils vont redescendre la nacelle. Je suis contente si on peut avoir la fibre parce que ça ramerait un peu moins les PC à la maison. Parce que dès qu'on est tous en route, voilà quoi. Vous voyez, hop, il redescend avec les fils accrochés. Hein. Je suis gelée. J'ai pas pris de blouson pour sortir, vu que j'ai des bulles vite fait, j'étais en train de manger. Et comme je suis curieuse, j'ai dit tiens, qu'est-ce qu'ils font? J'ai envoyé mon gamin pour qu'il leur demande. Ça doit faire du poids, hein, tous les câbles comme ça. Donc là, ça s'en va, du coup, je pense. On va aller préparer le prochain chantier. Un autre collier hein, pour pouvoir ben, remettre le boîtier en fait. Je pense qu'après on aura un gars qui va venir changer le boîtier à mon avis, ou ils l'ont peut-être fait eux. J'ai l'impression qu'il est un peu plus petit qu'avant, ouais. Et après il y aura un gars qu'il faut qu'il nous installe la fibre, qu'on fasse la demande. Moi je suis à Orange, voilà, pour internet, et Bouygues pour mon téléphone. Thank you.
Il regarde que je le filme. Elle est très contente. Hein. On devait tous avoir la fibre en 2023, paraît-il. Et puis, ben voilà, on est fin d'année. À mon avis, on n'aura pas avant 2024 si chacun doit passer, s'ils doivent toutes finir la zone de campagne, elle est un peu grande. Hein. Là, c'est eux-mêmes qui commandent là en haut, hein, la nacelle. Voilà, ben, je vais le laisser finir. Hein. Sans filmer, il va me faire des bêtises, sinon. Non, ça m'étonnerait, c'est des pros. Je dis des bêtises. Ce sera peut-être un peu long comme vidéo, hein, voilà, mais je voulais partager ça. Ben du coup le câble de là il pend beaucoup moins parce qu'il pendait énormément. Une espèce de sangle en plus. Étant les câbles là. Le nôtre il est tendu du coup, hein. Ah, ça doit être lourd à bout de bras, c'est tous ces câbles comme ça là.
pense qu'il a bientôt fini là. Voir si je peux zoomer plus, que ça reste net. Je suis au max, hein, donc c'est peut-être moins net. Je suis gelée. Je suis juste en petit pull, je suis folle. Ah ben là, quand je vais rentrer chez moi, je vais trouver, il fait chaud chez moi, on est bien. Bon, je coupe et je vous montrerai le final. Un avion, parce que moi je suis pas loin de l'aéroport là. Un petit coucou, à mon avis, vu le bruit. On a même des gros, hein. Nous c'est un tout petit aéroport, mais franchement, ben, on a même des gros à côté qui décollent. Et puis il y a l'armée qui s'entraîne tout le temps. Il descend juste un peu, je pense que là maintenant il va filmer le fixer, pas filmer.
fixer le boîtier. Ouais, il reste encore ça là. Là, il est en train de réinstaller le boîtier, mais donc il a bien tendu tous les fils comme il faut. C'est long, hein. C'est vrai qu'il y a un paquet de câbles hein, qui arrive là-dessus. Hein. Vous voyez, il lui reste plus qu'à refixer le boîtier là. Qui après sera peut-être rechangé. Je pense hein, qu'après ils viendront nous le changer, etc. quoi. Parce que le boîtier de la fibre, il est plus gros, il me semble, et donc ça doit être plus lourd, donc il change les poteaux pour que ça le supporte. Et le poteau est plus gros qu'avant. Hein. Contrôle son boulot et je pense qu'il a fini là. Si j'avais prévu que ça mettrait aussi longtemps, j'aurais mis un blouson. Ils vont vérifier les connexions, je pense, à l'intérieur du boîtier. Moi, je refais une pause. Tiens, l'avion, je vous disais, j'entendais. Ah, ça, c'est un plus gros, hein. C'est pas ce que j'entendais, je pense. Voilà, bientôt fini. Je voudrais attendre jusqu'à qu'il ait fini et qu'il redescende pour vous montrer, mais bon, là j'en peux plus, je crois que je vais arrêter. Hein. Je zèle.
du boulot, les pauvres, s'il faut faire ça à chaque poteau, ben, dis donc. En 8 heures, ils peuvent pas faire un quartier, hein. La route qu'on entend, c'est Valence-Chabeuil. C'est vrai qu'elle s'arrête jamais, il y a tout le temps du bruit. Hein. Voilà, bien bossé les mecs. On a notre nouveau poteau, donc bah, la fibre ne devrait pas tarder, j'espère, vraiment. Et voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter, abonnez-vous, et puis à bientôt dans les prochaines vidéos. Gros bisous, c'était Valérie, merci.